Les personnes qui sont un peu dérangées, comme on dit, elles font partie de la communauté, elles ont un rôle à jouer. Et donc, il n'y avait aucune raison ni de l'attaquer, ni de lui chercher des noises, etc. Aucun des clichés des westerns sont valables dans ce cas-là, justement. On est dans la vraie vie, et c'est comme pour Thanksgiving, je dirais, comme beaucoup ne le savent pas encore aujourd'hui, ne le savent plus. C'est en mémoire, Thanksgiving, donc de cette communauté de migrants, de blancs, qui crevent à la dalle, et c'est des Amérindiens qui sont allés leur apporter à manger et leur apprendre comment se nourrir. Oui. Après Faber, ce qui est arrivé, c'est des documentations en français, tiens, des livres qui parlent de comment le mythe du western s'est traduit aussi dans tous les pays d'Europe. Et celui-là, peut-être, qui est le plus important pour moi, des universitaires français qui racontent comment au 19e siècle, donc du vivant de Buffalo Bill, etc., il y a une mythification absolument hallucinante en France et partout en Europe de la colonisation, en fait. Ouais. De l'Ouest américain. Ouais. Sur le côté aventureux, bien sûr, c'est les Blancs qui sont mis à l'honneur et comme d'habitude, c'est les vainqueurs qui font déjà l'histoire à l'époque. Seul. Et c'est vrai que, entre les choses avérées, puisqu'il y a eu ensuite McLeod, un chercheur américain, qui n'a pas été traduit malheureusement encore en français, lui, il a passé, un historien, 10 ans de sa vie dans les années 80-90, à aller dans tous les endroits où Calamity Jane avait été mentionnée, et pour fouiller dans les archives. Et là, à ce moment-là, on était en train de faire le troisième tome, et là, on avait quelque chose qui était, comment dire, qui faisait vraiment autorité après Doris Faber, qui était un petit peu plus ancien, quand même. Et d'un côté, il disait vraiment ça, c'est impossible, et de l'autre, ça, oui, c'est possible. Et là, on s'est dit, bah, en tant qu'auteur, on ne va pas refaire les 300 pages. Surtout que c'était pas ça la question. La question, c'était qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient confirmées. Dans ce qu'on avait imaginé et dans ce qu'on avait traité aussi à partir des lettres. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que même dans ces lettres, elle dit elle-même, il y a un journaliste qui est venu me voir pour que je lui raconte ma vie. Alors comme il m'a donné quelques dollars, je lui ai raconté tous les bobards qu'il voulait que je lui raconte. Et alors c'était apparemment un de ses charmes, c'était une grande conteuse. Quand elle commençait à raconter quelque chose, c'était avec tellement de générosité que tout le monde dans un bar s'arrêtait, l'écoutait, mais qui sait, qu'est-ce que c'est? Comme à l'époque, hein, il n'y avait pas d'autres médias. Moi, la thèse à laquelle je me rallie, celle des chercheurs américains qui sont plutôt pour l'authenticité des lettres, c'est la thèse qu'effectivement, comme elle était quasiment analphabète, elle a dû dicter ses lettres à un écrivain public. C'est très crédible, cette histoire-là. Après, évidemment, je ne peux rien affirmer, mais il y a une telle, encore une fois, il y a une telle personnalité, on ne peut pas inventer ça, ou alors il faut être un grand écrivain pour inventer un livre pareil, ou une grande autrice, comme on disait déjà au XVIIIe siècle.